Connaissez-vous l'origine du mot immoler? Immoler signifie faire périr en sacrifice à une divinité et par extension tuer. Il vient du latin immolare, composé de in qui signifie dans, sur et de mola. En latin, mola désigne deux choses. Soit la meule à grain, et c'est ce mot qui est à l'origine du mot meule en français, soit la farine sacrée, et c'est ce sens qui est utilisé dans immolare. La mola salsa de son nom complet était un mélange de sel et de farine obtenu à partir des grains chauffés d'amidonier, l'une des plus anciennes céréales cultivées. La mola salsa était saupoudrée sur les animaux à sacrifier et sur les offrandes destinées aux dieux dans la religion romaine. Ainsi, le mot immolé sous-entend recouvert de farine salée et prêt à être sacrifié. D'ailleurs, cette relation entre sel et sacrifice se retrouve dans l'Ancien Testament. La mola salsa était préparée par les Vestales, nom donné aux prêtresses de Vesta, déesse du foyer. Elles étaient aussi appelées vierges de Vesta, car elles devaient rester chastes durant les 30 ans de leur sacerdoce, et celles qui fautaient étaient souvent murées vivantes. Une Vestale célèbre était Rhea Silvia, la mère de Romulus et Remus, les fondateurs de Rome, qui aurait été conçue avec le dieu Mars lors d'un rêve.